Ok, maintenant, on va attaquer du lourd. Donc, on va avoir une opposition entre Nathan Chouanard, qui est de la Bushido Academy, qui a 25 ans, qui est un bon combattant de pied-point, qui a pratiquement 10 combats en pied-point, et qui est à 4-0 en MMA, donc un combattant polyvalent, on va dire, contre une légende du Muay Thai et du pied-point français, Fabio Pinca. Alors, est-ce que j'ai besoin de le présenter, Fabio Pinca ? Qui s'est mis en MMA aussi, qui a boxé au One. Je ne pense pas, mais un petit rappel, Fabio Pinca, c'est plus de 140 combats. C'est une légende de la boxe thaï. Il a combattu sur tous les rings de la planète. Et il s'est mis, oui, mon cher Francis, comme tu disais, au MMA il y a peut-être un an et demi, deux ans. C'est ça. Voilà. Et il a combattu au One. Au One Championship, donc en Asie. Donc un combattant très, très expérimenté qui va être opposé donc, à Matan. C'est un des plus grands champions français, pour ouais, le dire. Hein. C'est un des plus grands champions français. En taille. Ouais, ouais. Donc. Voilà, on voit, eux aussi sont très concentrés. Mais il se prend en jeu, en tout cas, il est vraiment sérieux. Ouais, c'est très bien d'avoir un grand champion comme ça aussi qui… Ouais, va à droite, voilà, fais croix. Voilà, ça va démarrer. Alors, Matan, mon petit doigt m'a dit qu'il savait quand même bien jouer aux jeux vidéo. Ouais, Nathan, hein, il sait vraiment jouer aux jeux vidéo. Voilà, il sait bien jouer aux jeux vidéo. On le voit, il a l'air sûr de lui, là. Voilà l'avatar de Nathan. Bon, il faut qu'il est face à Fabio Pinca, quand même. Ouh, détermination de Fabio, là. Là, on sent que... Ah, ça va jouer un peu, là. Je sais pas toi, Francis, moi, je le sens bien, je crois pas. Ouh. Ah, oui. Et voilà, ça enchaîne. Oh, Nathan, il attaque. Nathan, il attend, lui. Oh, ah, joli contre. Ah, mais ça va être du beau combat encore, tu vas voir. Oh là 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 là, Fabio au sol. Fabio vient de se lancer. Joli. Oh, coup de coude de Fabio. C'est sa spécialité. Donc, sa spécialité sur les rings. Il le fait aussi en e-sport, c'est bien. Ah, jolie combinaison là de trois coups portés. Comme Pinca. Ah, Pinca. Ah oui, très bien. Pico qui, très bien. Ça, attention à l'hypercute de Fabio. Oh là 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 là. Fabio qui gagne par KO. Non. Pardon, excusez-moi. Matan gagne par KO. Matan qui gagne par KO. Ah, on voit que bon, il a l'habitude hein, de jouer. Il a le petit sourire, il rigole. On le sent à l'aise. Oh ouais. Là 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 là, Fabio, ça va Fabio? Bon, j'ai peur que Fabio maintenant il veut le faire au tour de vrai. Moi, je serai Matan, je sortirai vite de la cage. Matan, va-t'en. Aquí Matan, que s'agradezco, porque yo creo, no estaba muy contento. Bon, Matan, le sourire va venir nous rejoindre pour un interview. On va, là, je sens qu'on va rigoler. Ouais. Mais le combat le plus encore, ça a été Wilson contre. Ah, comme quoi? Ils l'ont fait en vrai, ils l'ont fait en e-sport. C'est ça. Ah, bravo, oh, bravo, bravo. Bravo, ouais. Bon. Alors, ton Matan. Ressenti d'être face à Fabio Pinca, une légende de la boxe. Eh ben, déjà, je suis content d'avoir partagé ce moment avec lui. Et voilà, hein, j'ai réussi à gagner Fabio Pinca, mais sur la play. On a eu peur pour toi, on voulait que tu sors vite de cette cage une fois que tu l'as battu. Ouais, moi aussi, je me suis dit quand même, il est en face de moi, s'il vient en vrai, ça va pas être pareil. J'ai vu une petite rictus sur son visage, il dit « Ah là là, lui, il m'a eu Il allait mieux s'en aller de la cage. » Bon, c'est bien. Mais bon, voilà. En tout cas, très content de l'expérience, l'e-sport, vraiment, et voilà. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Puis... avec toute la période qu'on a passée là, du coup, de revenir faire une activité, ouais, ça, de voilà, de ça. De voir son staff, de faire un peu du combat, même si ça reste du virtuel. Mais bon, je me languis quand même vraiment de rentrer dans une vraie cage. Bien sûr, bien sûr. Bientôt. Voilà.
et de mettre les gants pour de bon. Bientôt, bientôt. Bon, félicitations. On voit que tu as l'habitude un peu, hein. Ouais. Moi, je joue souvent. Je joue autant que je m'entraîne. Donc, je suis peut-être pas aussi fort en vrai, mais dans le jeu, je suis chaud. Ouais, j'ai vu que ton avatar avait beaucoup d'étoiles quand même. Ouais. C'est le sien, c'est le sien. C'est le mien. Il s'entraîne comme moi dans la vraie vie, lui s'entraîne en virtuel. Maintenant, il a 25 ans. Ça fait 24 ans qu'il joue avec son avatar. Voilà. On est passé par les mêmes étapes. Ok, bon, merci Matin. Ouais, en tout cas, super prestation, merci. Allez, merci à vous.